belle natte de calice, mais j'ai toujours pensé que c'était du rouge qui mettait plutôt que du blanc pour faire le corps du Christ. Le sang plutôt. Ben oui les amis, si on prend du blanc plutôt que du rouge à la messe, c'est pour deux raisons. Une très logique et une plutôt anthropologico-historique. Pour la raison très sommairement logique, c'est une question de tâche. Le vin blanc, ça tâche beaucoup moins que le rouge. Et vu qu'on gère souvent avec des linges blancs ou des belles eaux blanches, et ben c'est quand même moins scurri. Et l'autre raison plus historique, c'est tout simplement une question de cannibalisme. Parce que c'est arrivé que dans l'histoire, là où les chrétiens étaient nouveaux dans un lieu, eh bien on les prenne un peu pour des cannibales. Ou des cannibaux, on dit comment. Et donc pour éviter tout amalgame avec quelque anthropophagie que ce soit, l'usage c'est plutôt du blanc. Mais venez donc goûter. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand chose, hein. Non. Les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non. Les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Sont faites pour bénir, non pour frapper. J'ai jamais mis un orteil dedans. Ce meuble n'a plus la moindre utilité. Walou, que dalle. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non. Les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Hit it, hit it, hit it, hit it, get it, get it, get it, get it. Ow, ow, ow. Show them, girl, yeah. Boom, boom, bah, bah, boom, 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 bah, 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 boom, boom, bah, 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 boom, boom. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non. Les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Il y a un élément sur lequel j'avais très envie de revenir dans la messe Paul VI. C'est la salutation. Puisque au tout début de la messe Paul VI, donc après les chants d'introduction, le prêtre est censé saluer, et j'ai envie de dire, la foule. Pourquoi? Citation. Une fois terminé le chant d'entrée de la nouvelle messe, et dès que le prêtre a gagné son siège présidentiel, il commence par un signe de croix, puis il salue l'assemblée à l'aide d'une des trois formules que lui propose le missel. La salutation devient donc, pour la théologie moderniste, ce qu'était la transsubstantiation pour le Concile de Trente. Je répète, la salutation devient, pour la théologie moderniste, ce qu'était la transsubstantiation pour le Concile de Trente. Le commentaire de Kogan déclarait que la salutation n'est rien moins, citation, qu'une reconnaissance de la présence du Christ dans l'assemblée, dans son Église. Il citait en les approuvant les mots du père Hovda. Nos frères et nos sœurs sont le premier signe de la présence du Christ, et le plus important. La théologie de la salutation souleva un enthousiasme semblable chez l'assistant de Bounini, le père Carlo Braga, qui nous disait donc, citation, « La salutation est le premier acte par lequel s'instaure le dialogue entre le prêtre et le peuple, dialogue qui engendre et suscite leur communion et manifeste la nature du rassemblement effectué au nom du Seigneur et au milieu duquel le Christ lui-même est présent. » Ce n'est pas seulement, dit-il, donc là c'est l'abbé Segada qui reparle, une simple introduction à la prière, mais un acte par lequel se déclare le mystère de la présence du Christ parmi ceux qui sont réunis en son nom. Remarquez encore à la méthode moderniste qui consiste à corrompre les concepts théologiques par la corruption du langage. Braga dit que le dialogue, donc un acte purement naturel, suscite la communion, terme qui ne s'applique normalement qu'à la Sainte Eucharistie. Braga lie cette communion au groupe au milieu duquel le Christ lui-même est présent. Nous avons glissé ici dans le monde de Bouillet et Brilotte avec ces autres présences réelles inventées pour dévaluer la présence réelle. Donc la salutation, c'est la reconnaissance du fait que les gens présents sont le Christ. On se dit mais c'est complètement tordu ce truc. Bah, dans la logique conciliaire, c'est parfaitement cohérent. Et là, on retombe sur les apôtres du salut universel. Pourquoi ? Henri de Lubac, que vous voyez ici, a créé une hérésie dans les années 30. Hérésie qui va être reprise quasiment mot pour mot dans Gaudium et Spes. Cette hérésie, c'est l'idée que le Christ, quand il est venu, s'est uni à chaque homme. Et le Christ est uni à chaque homme sur cette terre. Qu'il y ait baptême ou pas baptême, qu'il y ait état de grâce ou pas état de grâce, le Christ est uni à chaque homme qui est sur cette terre. Et voici là, Jean-Paul II développe très longuement cette idée dans Redemptor Hominis. Et ceci est le fondement du salut universel, parce que si nous sommes tous unis au Christ, nous sommes tous en quelque sorte en état de grâce, voire en état de grâce tout court selon les intéressés, et donc bah, on est tous sauvés puisqu'on est tous en état de grâce. Et donc le fait que l'homme, selon la doctrine conciliaire, est uni au Christ est le fondement du salut universel. Dans Rédemptoris Missio, Voici-là Jean-Paul II nous dit ceci: l'événement de la rédemption est le fondement du salut de tous, parce que chacun a été inclus dans le mystère de la rédemption, et Jésus-Christ s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère. Donc le fait que Jésus-Christ, donc nous dit Voici-là, s'est uni à chacun pour toujours à travers ce mystère, c'est le fondement du salut de tous. Je passe sur toutes les personnes qui ont influencé Vatican II et qui ont des citations très explicites sur le salut universel. Allez, une de Karl Rahner par exemple. Nous avons à tenir ensemble sans hésiter la proposition que Dieu veut fermement le salut universel, que tous sont sauvés par le Christ, que nous devons espérer le salut pour tous, et la proposition que la perdition éternelle est une possibilité réelle. Et d'ailleurs, Bergoglio, dans son voyage en avion en Slovaquie, a redit hein, le bon Dieu nous aime, il nous sauvera tous. Bon. Donc, je retombe sur mes pattes. Pourquoi ? Parce que cette salutation qui sert, dans la Messe Paul VI, qui nous sert, dit-on, à reconnaître la présence du Christ, c'est exactement ça. Le Christ s'est uni à chaque homme. Donc dans tous les fidèles conciliaires, selon la doctrine conciliaire, il y a le Christ. Vous voyez ? Donc il y a vraiment une cohérence absolument totale. C'est pourquoi cette doctrine conciliaire, hein, elle n'a pas été inventée spontanément, si je puis dire, dans les années 60. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, théorisé, conceptualisé, dès les années 30, puisque ce faux dogme qu'on retrouve dans Gaudium et Spes, il est quasiment mot pour mot dans l'ouvrage de Henri de Lubac, Catholicisme. Donc, la messe Paul VI, c'est la messe du salut universel, c'est la messe qui véhicule le salut universel. Et lorsque on reconnaît dans l'assemblée le Christ, c'est parce qu'on reconnaît dans cette assemblée le fondement du salut universel, qui est donc cette union indissociable entre le Christ et chaque homme. Voilà. J'en ai terminé. Donc je rappelle, donc première grande idée, donc la messe Paul VI est invalide, c'est une fausse messe. Donc si vous allez à la messe Paul VI, tirez-vous. Voilà. Et deuxième idée, la messe Paul VI donc véhicule, professe une religion qui n'est pas la religion catholique, mais qui est la religion du salut universel. Nous retombons sur nos pattes. C'est suffisamment rare dans l'Évangile pour qu'on puisse le remarquer. Aujourd'hui, Jésus se fâche. Et pour qu'il se mette en colère comme ça, ce doit être du sérieux. plus sérieux qu'un été sans soleil ou qu'une nuit sans sommeil, plus sérieux même qu'une paella sans coquillage ou qu'un gigot sans ail. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non. Les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Vous connaissez peut-être cette chouette. Dans une certaine littérature, cette chouette s'appelle Edwige. C'est une harfang des neiges. Et les harfangs des neiges ont trois caractéristiques, au moins trois. La première, c'est qu'elles ont la capacité de tourner la tête à 270 degrés. Ça donne une vue panoramique sur le monde. Ça permet d'accueillir largement le regard tout azimut. Leur deuxième caractéristique, c'est qu'elles vivent au-dessus du cercle polaire, là où il fait jour 6 mois de l'année et où il fait nuit les 6 autres mois. Du coup, elles ont développé la capacité de voir aussi bien le jour que la nuit. Ça permet d'accueillir largement le regard attentif. Et leur troisième caractéristique, c'est que les harfans sont des migrateurs partiels, itinérants on pourrait dire. Ils sortent de chez eux, vers les périphéries comme on dit maintenant. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tout le monde est là, c'est bon. Ces temps-ci, avec les catholiques et les orthodoxes, une sorte d'envoi pour devenir de plus en plus chouette, pour accueillir tout comme un cadeau. Cet accueil nous provoquera peut-être aussi à répondre d'une autre manière, à notre mesure, comme par exemple en étant attentif et actif aux émissions de gaz à effet de serre. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi le casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grand-chose, hein. Non, les mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze zuhambe nami Dawo yami alikolana buso wami awukolana ilondoloze.